Le gâteau à l'ananas. 175 g de beurre. 200 g de sucre. 225 g de farine. 20 centilitres de lait. Le jus d'un demi-citron. Un sachet de levure. De la noix de coco, 10 morceaux de sucre, des tranches d'ananas, un peu de sirop d'ananas et 2 œufs. Je presse mon demi-citron dans les 10 morceaux de sucre que je mets à chauffer. Je verse mon caramel, je dresse mes ananas. Je prépare la pâte. Je verse mon sucre dans le saladier. Comme ceci. Voilà. Puis le beurre fondu, encore chaud, dans le sucre. Comme ceci. Et je mélange. Je mélange bien de façon à ce que le sucre soit fondu dans le beurre chaud. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais y ajouter mes 2 œufs. Voilà. Donc, et de 1. Et de 2. Je continue à battre. Et je viens ensuite incorporer la farine et la levure que j'ai préalablement fusionnée. Je passe tout dans une épuisette et je mélange. Délicatement, de façon à pas en mettre partout comme j'ai pu le faire. J'ajoute mes 20 centilitres de lait et je mélange. Donc, préalablement, j'ai beurré le tour de mon moule silicone de façon à ce que la pâte n'adhère pas du tout. Voilà. Et je viens verser ma pâte, dont la consistance est ni trop épaisse, ni trop liquide. Voilà. Voilà. On enfourne 40 minutes à 180 degrés. Quarante minutes plus tard, voici le résultat.
Le gâteau est moelleux et aérien. Nous le retournons et nappons les tranches d'ananas de sirop d'ananas. On peut faire cette recette avec des ananas frais et on récoltera un petit peu de jus d'ananas. Il sera beaucoup plus goûtu, bien entendu. Voilà. Je viens ensuite saupoudrer le tout de noix de coco. Voilà. Et voilà le résultat. Bon appétit et à très bientôt pour d'autres vidéos sur adopteunstyle.com.